au Louvre pour faire une petite visite culturelle avec vous. Et en plus, à la fin, on a une petite surprise pour vous parce que ce lieu est wonderful. Et sachez que ça va être mortel notre visite. On va continuer ainsi. On y va. Let's go. J'ai volé son nez. Tu es sûr? Non, non, il me ressemble pas. C'est un petit air de parenté, je dis que non. Non? Non. 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 Pourquoi il me ressemble, moi? Non. Si, vite fait quand même. On arrive vers la peinture la plus célèbre du monde. De Leonardo da Vinci. Qui est absolument pas la plus belle du monde, hein, d'ailleurs. Mais c'est pas du tout la plus belle, hein. C'est la plus... Parce qu'il y a juste un portrait d'une femme. Incredible. This is the Joconde. Incroyable. Yes. Regardez tout ce monde derrière nous. On dirait les lignes 13. Sérieusement. Ce train est en direction de Saint-Denis. Tournez-vous derrière. Tournez-vous juste derrière, s'il vous plaît. Et vous allez voir. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, mais là, grave. Il y a des peintures partout, là-bas. Il y a que... Regardez le monde qui est derrière. Pourquoi? Pourquoi? En plus, c'est pas la plus belle. Juste derrière, il y a une magnifique peinture. Plus grande, plus recherchée. Regardez, enfin, voilà. La scène. Et qu'il est parti en Angleterre, ça y est, tu te prends pour un Anglais, quoi. Bah oui, vous savez pas. Mais tu parles pas anglais, tu parles français avec un accent bizarre, hein, c'est tout. Hein. Je sais, et j'arrive à faire des photos. Ça vous aura plu. Et la petite surprise qu'on vous a promis, c'est que le Louvre, c'est à la portée de tout le monde et surtout pour les moins de 26 ans parce que c'est gratuit. Alors venez squatter, vous n'avez pas cours, venez squatter, vous avez 2 heures de cours, venez squatter, vous... Allez, faites tout ce que vous voulez, venez vous inspirer ici, dessiner, faire vos cours, faites ce que vous voulez. Des photos de Tumblr, you know, like... Yeah, you know.